Maman Hortense, maman Angélique, Touta na mabele, Tokosu kase na mabele, Masu et Kokufaka, Kassidibon et Koti Kalaka, Mère Véro, la pantan la belle. Moto a kalinga kanguba batala kamonoko na ete po atandenge nini akomeka pe akukute. Bienvenue Wawa Escobar. Feu d'artifice très beau à voir, kasi éphémère, amour en anomiti color arc-en-ciel koutou sima nanyangwa dimisa adage que les bonnes choses ne durent pas. Bienvenue Wawa, dis-moi son yangana yo eko umela. Buena mutu, kutinda mundamu, mabela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. Banganga basengi ya bato bakoti nayo ozini sa fami nayo bonanga kelebe soki mayete o yo moto liboma. Banganga basengi ya bato bakoti nayo ozini sa fami nayo bonanga kelebe soki mayete o yo moto liboma. Colonel Jacket, Fouillon Papi Flash,
les studios de Légendes Urbaines. Mademoiselle, bienvenue. Madame. Madame. Merci. On dit pas mademoiselle. Ah, mademoiselle, c'est mieux quand même. Comment vas-tu? Bah super. On va commencer par le début. Let's go. Ready? Tu es née dans le 12e arrondissement. Dunkerque. Ça commence. Hein, c'est bon, bah, 12e, c'est bon. Ouais. 12e arrondissement de Paris. Ton père est d'origine tunisienne. Ta maman est d'origine russe. Les deux sont artistes, en fait. T'es une guerrière, on en parlera tout à l'heure. Mais quelles sont les valeurs que tes parents t'ont enseignées? D'être moi-même. Mm-hmm. Surtout, mon père, à chaque fois, il m'a jamais dit quoi faire. Mais je sentais une exigence, mais pas, c'était pas genre fais ci, fais ça, c'est juste moi je suis artiste aussi, et voilà, c'est compliqué, mais c'est le smile qu'on retient et c'est l'émotion qu'on retient. Tu fais ton chemin et si tu peux être la meilleure dans ce que tu fais, c'est bien. Ton papa, donc, si on en parle dans toutes les interviews à chaque fois, son père, compositeur de films d'horreur, mais il ne fait pas que ça. C'est sûr que, bah, déjà, c'est un game d'ailleurs d'être compositeur de films d'horreur. C'est un univers, mais c'est faire de la musique sur image, en fait. Donc, c'est particulier. Parle-nous de ça un petit peu. En fait, je trouve que c'est assez merveilleux, la musique de film, parce que tu donnes de l'émotion ou des indices de tension là où il n'y en a pas forcément à l'image. Mmh. Tu vois, la fille, elle est là, elle entre dans le supermarché, elle va acheter des pommes, il y a son téléphone qui va vibrer. Donc si tu vois juste le rush comme ça, tu te dis bon. Tout va bien. Et là, mon père, il débarque et il te met un truc où tu te dis, oh merde, il va lui arriver. C'est sûr, il va lui arriver quelque chose à cette bonne femme, la pauvre. Elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. C'est sûr que dès qu'elle va mettre les pieds en dehors du supermarché, c'est terminé. Grande féministe aussi, sans jamais vraiment le revendiquer. Après, être féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Puis il y a des mondes qui séparent Simone Veil et les Femmes, par exemple. Quelle est ta vision du féminisme? Pour moi, c'est faut être concrète. C'est-à-dire, je ne crie pas sur tous les toits que je suis féministe, mais je suis dans l'action, partout où je vais, je veille à ce que... Tout ce que je fais, c'est parce que je m'appelle Elia et pas parce que je suis une femme. Que j'ai déjà vécu des situations un peu de machisme ou affaire à des gens un peu qui... Tu sais, les mecs qui te regardent, ils disent, je vais t'expliquer ce que c'est la vie. Je vais t'expliquer. Ma petite. Voilà. Ma petite. Ouais. Et ça, une fois que t'as compris ça, t'es plutôt libre. Et moi, je veux être une femme libre. Donc je m'entoure de femmes libres. Et d'hommes aussi libres, parce que c'est aussi ça, tu vois. Je me dispute des fois avec d'autres filles parce qu'elles ont de la colère avec les mecs. Et moi, j'ai pas de colère, parce que je dois reconnaître que si je suis là, c'est aussi grâce à beaucoup d'hommes. Quelles sont les grandes figures féminines qui t'inspirent? Il y a Juliette. Pas rougir. Il y a Juliette. Gréco, on a dit, on avait dit. Non, il y en a qu'une ici. Il y a Anne Cibron, qui m'inspire. Il y a Barbara Streisand. Yes, la classe. Gal Gadot, Wonder Woman. Mm-hmm. Il y a qui d'autre? Il y a Alison Felix, coureuse de 200 et de 400. Mm-hmm. Voilà, hein, Simone. Surtout ça. Il y a une autre grande dame pour qui t'as de l'admiration qui a accepté de passer un petit message. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Voilà, j'ai une petite question à poser à Elia, notre chère Elia. Elia, c'est quoi tes références des voix des femmes, des chanteuses légendaires, de toute époque confondue, qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie de chanter avec ta belle voix? Oh là 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 là. La classe mondiale ou pas? Rossy de Palma, merci, merci, merci Rossy. Je précise à Rossy, grande comédienne, femme incroyable, égérie. C'est cette femme, en fait, elle fait tellement de choses, elle est tellement inspirante. Je tiens à préciser quand même que le dernier film d'Almodovar, pardon pour l'accent espagnol, on y va, c'est parti, Madres Paralelas. Bien. Ah, notre abarro a la escuela, no habla espagnol, mais je me suis entraînée. Madres Paralelas d'Almodovar, évidemment, dans lequel... Rossy joue, est nommé au César du meilleur film étranger. Et ça, quand même,
ça c'est la classe. Mais voilà. Mais de toute façon, Rossi, c'est la classe depuis toujours. Un big up à Luna. Un agent secret. Merci Luna. Luna, que j'embrasse très très fort. Merci Luna. Quelle classe. Qu'est-ce que tu auras à répondre à Rossi ? Bon, bah déjà, je veux lui faire un gros bisou à Rossi et puis à Luna, parce que c'est vraiment mes anges gardiens et des femmes magnifiques. Extraordinaire. Pour répondre, les femmes qui... C'est quoi ? Les chanteuses, les voix qui m'ont donné envie. Oui, les voix, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On en a parlé, après, ça m'a, en la voyant, ça m'a permis de repenser, je ne sais pas pourquoi, à Maria Callas. Mm-hmm. C'est vrai que depuis que j'ai emménagé seule, et ça fait 2 ans et demi maintenant que j'habite seule, Maria Callas m'a beaucoup accompagnée parce que, je ne sais pas, il y a une profondeur en plus dont j'avais besoin. Mm-hmm. Et tu sais, quand elle incarne... C'est quand elle chante Castadiva, quand tout ça, ou même dans le film de Pasolini, quand elle joue Médée. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc avec Médée. Ouais. Et tous ces interviews de comment elle s'est battue pour préserver un art qui était en train de mourir. Mm-hmm. Et ouais, c'est une personne moi, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, même si je ne chante pas du tout du classique. Mm-hmm. Okay. Voilà. Ouais. Sans transition. Premier EP, Ponymélia en 2019, puis le second, 2021, Océan, vous appelez ça mini-album, EP. Mm-hmm. Entre autres, un énorme tube Grain de Sable dont on parlait tout à l'heure avec Cop sur l'album Ultra, sorti au mois de mars 2021. Comment s'est passée cette signature avec 9D ? C'était assez naturel. Mm-hmm. C'était assez naturel parce que j'étais déjà entourée de Anne et de Booba. Mmh. Et vous êtes rencontrés comment ? Avec Cop ? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, j'avais besoin d'être accompagnée. J'ai rencontré Anne Tibron. Mmh. Ensuite, il y a eu le confinement. Et là, tu sais, tu te retrouves un peu tout seul dans ta chambre, peut pas sortir, quarantaine, voilà. Et là, j'ai précisé mon style à ce moment-là et j'ai écrit quelques chansons clés, Océan, Whisky Bleu qui sortira un jour, et Anne en fait pendant l'été elle a envoyé ça à Cop, et de là on a organisé une rencontre parce qu'il y a eu une, je pense qu'il y a eu une réciprocité, quelque chose quoi, et voilà, on s'est rencontrés et on a commencé à travailler. Quel est ton message universel ? Ben tu vois, hier je regardais Logan, mm-hmm, l'histoire de ce mutant avec les lames, mmh, et il dit à sa fille avant de mourir, il lui dit ne deviens pas ce qu'ils ont voulu que tu sois, ce, mmh, qu'ils ont, et je pense que ça c'est un truc, à chaque seconde on a des gens ou des choses qui veulent nous contrôler, et avec cette phrase là on sait que non, faut écouter, là faut être sincère et tu fais ton truc, quoi. Je rappelle que ton album, mini-album EP Océan, est disponible, bien évidemment. On se quitte avec ton live téléphone. La Merci famille, Juliette. Vous connaissez l'histoire, on est ensemble. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour l'émission version longue, pour voir l'émission en intégralité. Et je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous, one love. Et du sagadino sur Vatican et Zantoy. Idéologie toujours. Bapir, babotina, bapiraté. Et quand ça la loco la moïe, quoi est la carte, Antonioso. Et quand même qui s'attamboura. Choubert Aya, Syria Kobili. Et Zali Vatican, et Baba, nous vous laissez pas ta moto, mon côté. Vatican, y'a Babetinoule, Babetinoule. Bourdon style, le bassiste très sûr. Vatikanya oh, eva kima kana tuza boso mabi tu mesi esila oh, mali pepe pe oh, nana we oh, papa esili namboka. Vatikanya mama, ezala kwa ne masha, lelo vatikanya oh, pe ilua eh, eva ni veri video, papa esili namboka. Le général. Papa papa yo ya we obiso bana bayo basilisi lo poso matoni biso to landa te papa ni mingi batoni mingi balonga biso te
Nambuya na yo lelo yo Ala Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye mama Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye Et mon qui dort les TPA Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye Mama ne jose mbousa vika Bisoto ye Bisoto ye Bisoto ye Libolo basala ki babizoto zina bango moko basindie Ine koto fata ki ngotolo agosh Ya orie na zona roka nganga Patola muka chalikulu Meli tebo moya ya nine le Patola muka chalikulu Sebe mokila nama bomwani Yombuji la sulu di la belele Patola komiko inana Akibala bi mokila nama Komama sebo Botuna, botuna, tamba tika na na ereni, buta biya papa e. Botuna, oyo ya biso ya benda kilanga na mula na tanga ya elanga. Eka mose mo kilimo bima Frederica na kanzi le jambo kodize. Oke wani, mama yo yo, mama yo yo yo, mama. Oh,
est-ce, Bazanatine. Bob, Okelo na Toronto. Bonjour, en fait, on est en train de faire un reportage sur vous sur voilà, ma CD. C'est un nouvel magazine qui est sorti sur Kinshasa. Oui. Et on aimerait bien connaître beaucoup d'informations, par exemple, pour commencer. Qui je suis. Qui tu es et d'où tu viens, tes origines et tout. Quoi, et, ouais. Qu'est-ce que tu essaies de faire, amener dans la musique congolaise. D'accord. Okay. Alors, moi, je m'appelle Janelli. Je suis d'origine italienne, corse. Congolaise. C'est ma maman qui est congolaise et mon papa qui est italien corse. Okay. Je suis dans la musique depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé par de la rumba dans un groupe marseillais qui s'appelle Bala Marseille. Ensuite, j'ai varié, c'est un groupe un peu plus jeune parce qu'en fait, la rumba que je faisais dans Bala Marseille, c'était une rumba, une vraie rumba. Donc après, on est allé un petit peu, on s'est regroupé entre jeunes et on a fait plutôt de dombolo okay. avec un autre groupe qui s'appelle Black Musica. On a un petit peu tourné partout dans l'Europe. Puis il y a eu un blanc, le groupe s'est un peu séparé, vous savez, la musique, on est un peu. Un jour, j'ai chanté en a cappella avec une amie. C'est là où Section Zouk, qui est renommée à Paris, c'est là où il y a tous les grands Zouk. C'est la plus grande maison de disques de Zouk, hein, qui m'ont remarqué, m'ont proposé de faire un titre les compilations, dans une compilation. Donc j'ai mis un de mes morceaux dans leur compilation, qui était une compilation Zouk. Et ça s'est bien passé, et du coup, après, on a enchaîné un album, puis le deuxième album, et puis là, j'en suis en fait à mon troisième album. J'ai trouvé que c'était du zouk parce que c'était dans une soirée zouk, et puis que j'ai toujours été la musique des îles. Je trouve que c'est une musique qui me ressemble, qui est sensuelle, douce, romantique, je suis un petit peu comme ça. Et puis, dans ça, pour répondre donc à ta question, qui est qu'est-ce que je veux apporter à la musique congolaise. Je veux apporter ce côté féminin, sensuel, et puis qui est du chant, parce que le zouk, dans la musique elle-même, et puis même la façon dont on le danse, c'est qu'on est serré, hein, tout ça, voilà. Donc, dans ce sens-là, apporter le lingala, qui va faire un petit peu la différence entre les îles. Pour ne pas qu'on me confonde avec une filésie, bien que j'adore les filésies, évidemment, je suis un peu typée de mon métissage, mais je reste congolaise et je voudrais revendiquer et apporter un autre genre de musique que la rumba au Congo. Ok. Pour tes fans qui voudraient bien savoir où tu es localisée en fait, où tu vis, où est ton siège en fait principal? Tu es sur Kinshasa ou bien comme je viens de l'entendre, tu es sur Paris? Mon siège principal est pour le travail à Paris. Pour le repos, la maison familiale, c'est à Aix-en-Provence, qui est dans le sud de la France. Et puis là, pour la préparation de mon troisième album est à Kinshasa. Ouais. Ok. Et pour les gens, tu penses qu'ils te prennent plus pour une Italienne ou bien une Congolaise? Oh, je pense, ben, on ne me prend ni pour l'une ni pour l'autre. Hein. Ici, c'est Mundele, ou bien. ou bien, qu'est-ce qu'on me dit encore Non, ben, j'irai plus. Je sais pas, pour qui ils me prennent. Hein. Je suis Janelli. Ok. Qu'est-ce que tu vois Comment je peux dire ça? Qu'est-ce que tu vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu penses faire dans quelques années et tout, bien dans les mois qui suivent? Qu'est-ce que tu peux voir? Dans les mois qui suivent, j'espère bien sortir, donc ça sera fait, si Dieu veut, hein, sortir mon album, faire des featuring avec des artistes renommés ou pas renommés, mais avec du talent, qui m'auront plu faire un album qui me ressemblera et de mes origines et qui sont vraiment moi. Ok. En parlant de tes origines,
pour toi, qu'est-ce que tu ressens en plus? Tu es plus européenne ou bien congolaise? Mais écoute, je crois que la magie du métissage, c'est que... Et c'est qu'on arrive à se sentir les deux. C'est-à-dire que je peux me retrouver avec des Européens en France, en Bourgogne, n'importe où en province, à manger un bon fromage, boire un bon vin. Ça ne me dérange pas du tout, je suis très à l'aise et j'aime ça. J'aime la campagne. La France, j'adore. Paris, c'est magnifique. Il y a deux côtés hein, dans Paris. Maintenant, moi, le Paris que je connais personnellement, je l'aime et je l'adore. Il y a les petites rues, on peut aller à Bastille, les petits coins sympas. Et ce que j'aime au Congo, parce que moi je suis du Congo, donc je ne vais pas parler des autres pays africains. Quoique j'ai vécu plusieurs années à Conakry, en Guinée, qui est l'Afrique de l'Ouest. Que j'ai beaucoup aimé aussi, mais le Congo, je trouve que c'est une belle terre, c'est grand, c'est vaste, elle est impressionnante. Je suis allée voir les chutes de Zongo, j'ai touché du doigt la nature, la force de la nature, et je me suis dit non, il y a un dieu quoi, je te sens petit quand tu vois des choses comme ça, et voilà, non, j'aime les deux pays. Ok, merci. Pour conclure cette interview, je voudrais bien te demander, pour tes fans, qu'est-ce que tu les annonces? Pourrais-tu leur donner une date pour ton prochain CD? Alors, qu'ils soient à l'écoute, quand vous allez commencer à beaucoup me voir à la télévision, c'est que je suis en pleine promotion et que mon album va sortir. Et il sera très intéressant parce que ce sera sûrement avec des artistes qu'ils aiment. Et puis, il y aura du nouveau. Je pense que ça va leur plaire. Je vais toujours rester dans le zouk qu'ils aiment, qui est langoureux, et puis dans le côté un petit peu chaud. Moi, je suis très... dans mes albums, il y a beaucoup de diversité. Ok, merci en tout cas pour l'interview. C'est moi qui vous remercie. Mais tout le monde a eu le bolingo. Tocome la maille à mon même sima. Oye bine n'yeto banda kili solo na biso. Tozalaki. Harmonia bomoko Oyokana pe kobate la bolingo Nabiso nalikonia Masoyo tomona na pokati Le colonel Rouse E nandenge Tozalaki Ela bomoko ya boye pokaki koleka Yebaka Et le plus influent des ministres dans la jet set, l'immortel Dabi Soso. Ah ouais. Oui, bindenge to banda kili solo na biso. Fiston mama ne. Zalaki. Pour ma bango na bindenge kiti na ba. Toutou roba. Moi ne komora fa. Na biso. Moi na mama. Na likunia. Nandenge tozalaki Le commandant Doudou Wapi José Daoniko Yebaka Maître Vincent Gomez Yebisa Ochombe Mondial Pona Bob Bokelo na Toronto. Aujourd'hui aussi Toyota la coca bona ya wengi. Parce que tu es quelqu'un dans la naïo, ou à zare ke, jibetan ou la moukade ou ba prestan ou la mouki, a ota la kouda ou wini star mde noé ba kokota ya pres ko bima pres. Ze pres wana systématique mou koto yo o yebi ke pres eza boyen de tolo ba. Coca bona ya wengi. C'est vrai, tu as une discussion avec Boy. Mais il y a un cas pour se rattraper dans l'histoire. C'était dû à quoi? Et que c'est des LP comme ça, et pas à JB, tout le contraire, et pas à Baninga, dans le concert, comme ça, Matin, il y a un cas. Et qu'est-ce qui a vraiment causé ça? Vraiment, bon, allez, oui, c'est vrai que Bichot, bah, petit net, personnellement, comme Naza Petit Mourou, j'étais bien avec tout le monde, et ça faisait très mal au cœur de voir que.
bino boye ba petit a jibe et comment qui même que ba petit a au sur pesi mzu moto mona peta mzu mzu pa fache parce que menga si ko na rosa na na net donc c'est dans la jacode pour sonir jana nous la lisse nous au monde trading était lisse zota lo kaka bri vous vous c'est compagnie ça nous côté portugais bango ba bani na bango pour mutunyo so comment qui mutunyo so ça chef as a leader na moment on a tout le monde fait ses cuvées bana mindele ba japonais à l'époque ba japonais ba sai qui chaud tu as dit bana mindele bonnet ba des ka bana mindele ndenge jb système mais bana lata kota ba tata ba bentsone ba betaka ba kazaka na bango japon toujours donc mais c'est vrai que ils ala qui plus ngande na comprenant et comment les kambo ko wele la qui leadership. Comment on dit ça, c'est ça, non? Leadership, pour leadership, voilà. Donc, comment on voit la qui leadership? Et puis, comment qu'il y a un moment que Moutounion soit commis, surtout tant que vous avez le mot là, vieux Oyazala qui est directeur financier, Batia Moutoumoussous. À la personne de qui? De Werason, parce qu'il est un directeur financier. Et bien, le but, mais comment Boulongola est directeur financier? Parce que vous avez un mot pour que Boulongola est. La vie est macabre et j'ai bien bien là. Donc, la vie est 40 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne voyait pas clair? Bah, le but, peut-être, l'administration ou bongo. Bah, mais qu'on change un peu de structure, il y a. Qu'est-ce que vous pouvez me changer président, Tekas? Ah! Touché point à bien. Pourquoi? Là, c'est vrai que. Question auto pensa même pas même là car ne m'ont tenu bouillé y est pas la moto ce que j'avais jamais pensé pour avoir le bon bah tu as payé Blaise Boulato mais qu'à président tout mais bon peut-être président le coup la président avec Bina Damaza qui déjà président c'était déjà parti quoi moni mambo ou peut-être c'est qui na couso tu vois peut-être na sans soi là c'est long là quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas de murmure en ACCI? Raconte, c'est l'histoire. Non, bon, murmure, ils acquis sur tout le temps où l'album, il y a vie et Salimara, fait d'amour. C'est vrai que tant l'album, on est Betamaka, moi, Fait de l'amour sur quoi? Sur l'album, tant que Betamika, tant l'album est bimé, Simba qui n'est Salimara, moi, nous, Bandara, à partir, il y a fait de l'amour, quoi. Qui est au comapé, au comalban, moi, Moutramtako, mon anga, la zanganga, comme Master Fabrigas à l'oba qui bongaï. Donc, comme un qui bonga, Moutaro, nani, nani, au salon, nani, nani, au dirigeant, nani. Et puis, ça l'a épée ma bête, c'est par mais on pouvait penser à ça, sauf que on pouvait pas penser que. Oui, la Kabouana Jibé, peut-être jouer à la Jibé, peut-être Ndebouibéle, il devait peut-être être plus uni, Ndebakin. Qu'est-ce qui a fait maintenant que Ouéra a vomi en Jibé, Jibé a vomi, Ouéra pour que Kabouana? Parce que moi, je crois que Ndebalobara, Bolingweko Marana, un après, en fait. Parce que Balingana Ramingi. Bolingweko Marana, un. Parce que Tala Bazaro, là, t'as l'ingé mon corps, ça vous remarquez, nous, ça l'a vu, l'autre, ça, Bazara, vraiment, Baba. Approche quoi, parce que Blaise Boulavou Tatanga, première, mon qu'on a j'ai bien pian. Mais, Zalaka vraiment tenu une vingtaine de Zalaka n'a sauvé. Et Bolingona Bango, peut-être Zalaki Maka, si moi je pense que c'est ça, et bien, il y en a ma bien entourage, tu sais, va staff pe et Boumara Bissotro et Boumara Pé Bavie Mingi. Va staff Moussou Bazawana Tilelo, même l'entourage, il y a vieux dans ma bien dama, parce que. À l'époque, tant que Bissot Ozo qui n'a pas vu Fifi Gampoine, journaliste Fifi Gampoine, ma coton d'embe, tant que ne pas vu Ilunga, mon abouté, pour la vie, non, la vie, faut battre un zimbo, faut ma coton d'embe, ma chère Danico. Tous les matins, il faut Danico Betama, Bissot va se faire, faut l'envoyer à 6h, 5h du matin. Goukangi, tous les journalistes, il n'a pas parlé, il n'y avait pas de choses comme ça. Tant que Ozo, on peut avoir rapport avec Zagina Nouvola, la haute Gindouli. Au monde qui bouling ou zala qui m'soussou. Vientso na zaviena yo, Adolphe a zaviena yo, Ale Makaba, Didi Masela, Blaise Boula. Il n'y avait pas que y a zaviena ni netile l'autre, tout le monde a raso finga na moutouroua anga. N'a quoi jamais au finga ou rason, jamais. Ouais, on va arriver, mais pourquoi les autres ont plus suivi Jubem Piana? Est-ce que c'est vrai que Jubem Piana avait plus mis de l'argent
pour acheter la confiance des autres. Et non, c'était pas par rapport à ça. Sincèrement, c'est pas parce que Naza, moi, Nanaye, comme je dis, ou il est star de tous les temps, de tous les jours, comme lui-même il m'appelait. C'est pas par rapport à Yambongo. Je crois que JB et Zala Kikaka, façon à yé, yé à Kozala. À part Azamoto, il n'est pas parfait. Bangoto, Moutaza n'est pas parfait. Zate, Bazana, Mambé, Nabango, Banabola, Mounabango. Mais Ezala Kikaka, peut-être qui bonté na yemoko bouye, batouba jijaka, peut-être. Bon, je juge, na kene na nga, peut-être na jibim pia na kena we rason par rapport à ba raison na bango moko bouye, bango ba yebaka. Mais nous avons quoi analysé, nous avons dû à quoi? Et par rapport à qui yen en Ezala Kiko. Hein? Konini! Par rapport à JB, parce que sincèrement, c'est quelqu'un, tant que vous avez un peu de temps, Didier Massé, la fondée du pouvoir, Alain Pella, Bourreau, Tovanda kabongo parce que yé azamutomoko quand il est avec du monde à part ba songero ba yara kwambo yara viona c'est quelqu'un de bien baza ba to malam bango tout mais je parle plus de Jibé Piana c'est quelqu'un de bien peut-être loko wana moto et tindaka peut-être ba to mingi ba kende pa nayi selon la moto suki na nous a profité. Tatanzambe yo kalo samba e Tatanzambe yo kalo samba ya bana Tatanzambe yo kalo samba ya bana Dola buka kana tama boto lukalaki Dola buka kana tama boto mekazo No.
Bob, Okelo na Toronto.